Le SPAS, chaque année à Rennes, fait battre le cœur du monde professionnel de l'élevage. La 32e édition de ce rendez-vous, désormais incontournable, a confirmé l'importance du secteur et renforcé sa visibilité à l'international avec la participation de près de 14 000 visiteurs issus de 128 pays. Le réseau CNEAP était une nouvelle fois présent à ce grand rendez-vous, affirmant ainsi son lien fort et réel avec le monde professionnel. De nombreux rendez-vous ont rythmé les 4 jours du salon, plaçant le CNEAP comme un acteur qui compte et avec lequel les professionnels ont à cœur de développer des synergies et des partenariats, une belle illustration du projet du CNEAP 2018-2023, éduquer, former, agir pour nos territoires. Zoom sur les temps forts de cette édition. Le réseau CNEAP a accueilli sur son stand des chefs d'entreprise, membres de la FC2A, la Fédération du commerce agricole et agroalimentaire, qui porte la voix de ces métiers. Maillon essentiel de la filière, le secteur peine pourtant à se faire connaître et cherche à rendre visibles les métiers et les emplois du commerce agricole et de l'agroalimentaire auprès des élèves et étudiants de l'enseignement agricole. Afin de répondre aux attentes de ces chefs d'entreprise, la FC2A et les chefs d'établissement des lycées du CNEAP ont échangé leurs points de vue, confronté leurs avis et envisagé des pistes de travail pour aller plus loin. Faut-il faire intervenir des chefs d'entreprise du secteur dans les lycées auprès des étudiants de BTS technico-commercial? Ne serait-il pas nécessaire que des chefs d'entreprise intègrent les conseils d'administration des lycées pour être au fait des évolutions des enseignements et de la réalité des formations? Faudrait-il informer les élèves bien en amont pour les sensibiliser à ce secteur, dès le collège par exemple? Autant de pistes à travailler conjointement dans les mois à venir. Autre rencontre, dans le cadre d'un partenariat cette fois avec l'association Agriculteurs de Bretagne, qui a instauré une démarche de communication collective pour fédérer les idées et les initiatives contribuant à renforcer l'image positive de l'agriculture bretonne. En tant que partenaire régional, le CNEAP a participé à l'événement rassemblant les adhérents. L'occasion de positionner l'enseignement agricole du CNEAP comme un vecteur positif de communication auprès des jeunes élèves, étudiants, apprentis et stagiaires qui ont choisi cette voie professionnelle. Le CNEAP Bretagne participera d'ailleurs à plusieurs manifestations au cours de l'année, à commencer par le départ de la route du Rhum à Saint-Malo le dimanche 28 octobre prochain. Agriculteurs de Bretagne est partenaire de la course et sera sur le village départ. Le SPAS est aussi un lieu qui permet de concrétiser de nouveaux partenariats. Initiée par les jeunes agriculteurs de Gironde, la plateforme Stage Agricole concerne désormais l'ensemble de l'Hexagone. Elle permet la mise en relation d'agriculteurs recherchant des stagiaires et des jeunes du collège au supérieur en recherche de stages, de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Le CNEAP et d'autres structures du monde agricole ont signé une convention de partenariat qui va permettre le développement et le suivi de la plateforme pour la Bretagne sur les 3 prochaines années. Temps fort institutionnel, le cocktail, proposé par le réseau et préparé par les élèves de la filière service aux personnes et au territoire du lycée Anne de Bretagne de Locminé, a accueilli de nombreux partenaires, collaborateurs et amis du CNEAP. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a échangé quelques instants avec François Paliard, président du CNEAP, à l'occasion de son passage sur le stand. Intéressé et soucieux des problématiques de la formation professionnelle, il a convenu d'un entretien avec le président du CNEAP à Paris dans les prochaines semaines. Être au cœur du monde professionnel de l'élevage permet également de trouver des réponses à des projets en cours. Ainsi, le lycée Le Nivotte de l'Opérec, qui cherche à lancer un élevage ovin sur son exploitation, a rencontré un éleveur écossais. Son cheptel pourrait intéresser le lycée. L'ouverture à l'international du réseau CNEAP se traduit ainsi dans toutes les filières. Outre ces rencontres, la vie du stand du CNEAP, animée par les équipes des établissements production des CNEAP Bretagne et Pays de la Loire, a été bien dense. Maîtres de stage, élèves, anciens élèves ou familles en quête d'une bonne orientation ont ainsi investi l'espace de 75 mètres carrés. Les visiteurs ont apprécié les animations proposées par les élèves du lycée Loresmeur de Pabu. Au programme, une dégustation en 2 temps autour du sarrasin et de l'andouille de Guémené-sur-Scoff. Ou encore, l'animation Accord vin et fromage proposée par les étudiants de BTS technico-commercial, produits alimentaires et boissons et vins et spiritueux du lycée Carlobost de Pontivy. Cette 32e édition réussie annonce d'ores et déjà la suivante. Le CNEAP vous donne donc rendez-vous au SPAS du 10 au 13 septembre 2019.